Salut les amis, c'est Joe Hazard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo unboxing et cette fois-ci on va unboxer un objet peu ordinaire que je n'ai pas encore unboxé sur la chaîne. Ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas un collector de jeux vidéo et on va unboxer. J'ai reçu ici de la part de NECA, enfin, je l'ai acheté sur Amazon. Yep. Vous pouvez voir donc s'indiquer où ça s'indiquait ici le 30, numéro 35 sur 150. Donc il y a enfin eu une réédition et bon, je ferai des petites coupures parce que c'est pas que c'est lourd mais c'est encombrant. Donc je vais le sortir de sa boîte et je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Mais bon, vous l'avez de toute façon vu dans le titre de la vidéo. Youp. Voilà, voilà. Donc il est encore dans son plastique. Et il s'agit évidemment de E.T. l'extraterrestre. Donc la figurine, la figurine, on peut même plus parler de figurine parce qu'elle est grandeur nature. Donc on va retirer le plastique que j'ai prédécoupé à l'avance. Yep. Ça, on va le mettre là. Il y a encore le plastique ici alentour. Yep. Et comme vous pouvez le voir, franchement, elle est sublime. Donc, pour la petite anecdote, je l'avais déjà acheté. J'avais déjà voulu l'acheter il y a plus d'un an. Elle était à 265 €, il me semble, sur Amazon. Quand j'ai voulu l'acheter, elle n'était plus disponible. Et après, évidemment, il y en a encore eu, mais à plus de 400-500 €. Et j'ai même vu dans une vidéo des personnes qui disaient qu'elle avait été même à plus de 1 000 € à un certain moment. Donc c'est pour ça que NECA a décidé de refaire de nouveaux exemplaires. Donc il y a eu une nouvelle série de fêtes. Il y a eu des séries de 500, des séries de 1 000, je pense. Et ici, je pense qu'il y en a eu un petit peu moins sur cette série-ci, parce qu'elle était un petit peu plus chère. Donc moi, je l'ai payé 325 €. Mais bon, franchement, je ne regrette pas, parce qu'elle est vraiment magnifique. J'hésitais à la commander, parce que j'avais vu dans les notes sur Amazon, il y a des gens qui commentent et qui mettent des notes. Il y avait une personne qui avait reçu son exemplaire. La couleur d'E.T., elle était toute pâle, franchement moche. Il y avait des coulures de latex, vraiment des gros défauts qui n'étaient pas beaux. Donc je me dis, à ce prix-là, si j'en achète une et qu'elle a des gros défauts, mais bon, je suis abonné à Amazon Prime, donc si jamais il y a un souci, que ça ne me plaît pas, ou qu'elle est abîmée, ou qu'il y a des gros défauts, je peux la renvoyer, il n'y a aucun souci. Donc je me suis dit, on va la prendre, et j'ai eu la chance de recevoir un exemplaire en état nickel, avec sans gros défauts. Bon, il y a juste un tout petit défaut à l'orteil là, mais c'est un petit défaut de coulure, mais c'est vraiment pas gênant. Je me dis, pour si peu, je vais pas la renvoyer, parce que s'il m'en renvoie une par après, il y aura peut-être un autre gros défaut qui sera plus visible, et donc ça m'embêterait. Et franchement, celle-ci, elle est nickel. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je vais retirer le micro. Je vais... Oups. Donc voilà, franchement, c'est un très bel objet. Elle tient bien debout, franchement, c'est bien stable et tout. Ça n'est pas sur le quinquinque, ça peut mal de tomber ou quoi que ce soit. Elle est vraiment très très bien faite. Je vais essayer de vous montrer ça, comme ça. Et pour regarder le visage. Le seul regret, c'est que j'aurais aimé que les yeux... soit, je ne veux pas dire en verre, mais au moins en plastique. Mais tandis qu'ici, on voit que c'est peint, quoi. C'est juste peint. Et bon, ça donne bien quand même, ils sont bien faits. Mais ça aurait été quand même plus réaliste si les yeux auraient été en plastique et pas juste peint comme ça. Mais bon, c'est pas encore trop trop grave. Parce que ça n'enlève en rien la beauté de cette figurine. De cette grosse figurine. Franchement, regardez-moi ça, les détails. Yup. Avec l'étiquette. Donc, comme quoi, c'est un produit officiel. Ça, je vais lui laisser. Yup, avec son petit doigt. Enfin, son long doigt
un peu rouge. Il y a certains exemplaires où le doigt est plus rouge, il y en a où il l'est moins. Bon, ici, il l'est légèrement, donc ça va. Parce qu'en général, bon, quand le doigt est fort rouge, c'est quand, voilà, quand dans le film, vous voyez la scène où il met son doigt. Et donc, franchement, ici, je trouve les soucis du détail sont franchement très très bien faits. Yup. Donc, c'est du latex. Voyez le popotin d'Iti. Par contre, voilà, il n'y a pas de trou de balle, mais dans le film, je ne pense pas qu'il y en ait un non plus. Donc, je ne sais pas comment il fait popo. Voilà, mais franchement, non, les soucis du détail sont très très bien faits avec tous les petits plis dans son corps tout graisseux. Voilà, le cou est bien fait également. Bon, il y a juste ici, quand on regarde bien, mais bon, c'est camouflé avec les bras. Ici, on voit la jointure et de l'autre côté aussi, mais c'est pas bien grave. Franchement, et le petit défaut au pied. Voilà, si j'arrive à vous le montrer. Voilà, les petits défauts au pied, c'est juste ici. C'est vraiment très léger, c'est vraiment pas embêtant. Le reste, nickel. Moi, je la trouve franchement superbe. Elle est très très jolie. Il paraît qu'il y a également eu une édition limitée de cette figurine avec l'oncle E.T., avec sa perruque blonde, le petit chapeau de vieille et sa robe là. Donc à un certain moment dans le film, pour la fête d'Halloween, les enfants le déguisent en petite vieille comme ça. Et il paraît que, donc, qu'il y avait une figurine comme ça, donc avec la perruque, la robe et tout, le chapeau. Et bon, comme elle était disponible en nombre plus limité, elle coûtait bien sûr plus cher, mais par contre j'ai fait des recherches et j'ai trouvé aucune photo montrant donc cette figurine-là. Donc si vous avez un lien où on peut la voir, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour que je puisse aller voir. Voilà, franchement, elle est magnifique. Moi j'adore. Elle est super jolie. Je kiffe. Dès que je l'ai déballée ici, c'est waouh. C'est sublime. Elle est vraiment très belle. Ah non, là, je ne voudrais plus la renvoyer pour rien au monde. Elle est vraiment magnifique. Donc après, ce que je vais faire, c'est essayer de choper. Je vais la mettre un petit peu plus bas. Essayer de choper un dicté magique. Donc pour lui mettre dans les mains. N'allez pas imaginer autre chose. Je sais, j'aurais dû formuler ma phrase autrement. Donc j'aimerais bien trouver une dictée magique pour lui mettre dans les mains. Donc comme dans le film. Mais j'ai regardé et ça se trouve pas à prix assez bas. Franchement, c'est entre 70 et 90 euros, là, voire 100 euros en boîte. C'est pas donné quoi. Donc voilà. Mais je vais essayer de lui choper ça par après. Et alors, je vais également essayer de trouver. Je vais regarder la couleur du géranium dans le film, parce que je ne sais plus la couleur des fleurs, parce que des géraniums, il y en a plusieurs couleurs. Donc, je vais essayer de trouver un petit géranium artificiel pour lui mettre également à côté. Et alors, par après, il sera soit ici, à gauche ou à droite du canapé, sur une planche ou un petit meuble, je vais voir encore, pour qu'il soit bien installé avec ses petits goodies. Mais franchement, je suis super content. Il est magnifique. C'est waouh. Donc c'est du latex. Bon, mais c'est pas ça n'enlève à rien la qualité du produit, parce que franchement, les finitions sont super bien faites. Donc non, franchement. Nickel. Bon, le seul truc qui est dommage également, c'est que les bras, on ne sache pas les articuler. Ça aurait été bien qu'à l'intérieur, il y ait un squelette en fer et qu'on puisse bouger ses bras, enfin plier ses mains, ses bras, les mettre, voilà, le mettre avec son doigt vers le haut et tout. Ça aurait été chouette, bouger le cou, la tête, l'incliner, etc. Ça aurait été franchement top. Mais bon, elle est magnifique et franchement, je suis super content. Peut-être que par après, ils feront un modèle un peu plus évolué. Le rêve ultime, ça serait un style d'animatronique, là.
le même style, mais que voilà, il est interactif et qu'on puisse lui faire dire quelques phrases, que les yeux bougent, la bouche s'ouvre un petit peu et tout, le bras bouge avec le bout de doigt qui s'éclaire, là ça serait un petit joyau, mais j'imagine bien le prix que ça pourrait coûter. Mais bon, franchement, quand on aime, et moi IT, c'est une de mes licences favorites. E.T., Retour vers le futur, Les Dents de la Mer, les trucs de l'époque, c'était vraiment nickel. Manquerait plus que le Bigfoot. Voilà. Donc franchement, elle est sublime. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous en pensez. Et si vous, vous avez d'autres figurines sur E.T., des plus petites ou des peluches, etc. Ça m'intéresse de savoir. Donc moi j'ai le coffret 35e anniversaire en DVD. J'ai également, je vais mettre ici. T'en vas pas, hein. J'ai également le laserdisc que j'avais acheté d'occasion il y a quelques temps maintenant, quelques mois. Bon, j'ai pas de laserdisc, mais bon voilà, ça fait plaisir dans la collection. Et alors, j'ai évidemment des peluches. Peluches que ma chérie m'avait achetées quand j'étais petit. Évidemment, j'étais pas grand. Mais quand j'étais petit, j'avais une petite figurine comme ça de E.T. Et alors, il y avait un petit interrupteur dans le dos. Et quand on l'allumait, il y avait le bout de son doigt qui s'illuminait et ses yeux. C'est dommage que je ne l'ai plus, ça, parce que je suis sûr maintenant ça doit valoir une fortune aussi, parce que c'est tellement rare. Je fais des fois des recherches, mais je n'en trouve pas. Et franchement, j'aurais aimé encore l'avoir, cette figurine. Voilà, donc pour revenir dessus ici, donc je viens de la poser. Ce qui est bien, c'est que quand vous le posez, le doigt, il arrive au niveau des pieds. Donc il s'est fait exprès, à mon avis, pour pas qu'il penche en avant et qu'il tombe. Et on sent que le poids est mis sur son popotin, sur l'arrière. Donc franchement, quand on le pose, c'est vraiment bien stable. Ça berloque pas, comme on dit chez nous. Ça ne tangue pas, ça penche pas ni en avant ni en arrière. C'est vraiment très très stable et c'est vraiment bien fait. Et puis, cette odeur de plastique, là, de latex, c'est vraiment agréable. Voilà. Yep. Oh, je pense que je pourrais en parler des heures, tellement que je la kiffe. Franchement, les détails, c'est super bien fait. Yep. Je vous montre encore une fois de plus près. Oh là là, regardez-moi ça. Voilà. Donc voilà les amis, ce qui conclut, bien sur mes genoux, ce qui conclut donc cette vidéo unboxing un peu spéciale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui aide à référencer la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai. Et si vous avez des amis qui pourraient être intéressés par ce style de vidéo, n'hésitez pas à partager avec eux et à partager sur vos réseaux sociaux. Ça fait toujours super plaisir quand on a de nouveaux abonnés, de nouveaux passionnés qui arrivent sur la chaîne. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, jouez bien. Ciao, ciao!